Pizzenco est une agence de décoration et de design. Nous travaillons également avec tout corps de métier. Nous faisons un suivi des chantiers de A à Z, qu'il y ait un architecte ou pas sur le terrain. Type le travail que nous avons effectué de longue haleine qui a demandé 4 ans, c'est-à-dire un gros chantier sur Saint-Pétersbourg. Le client russe souhaitait un immeuble haussmannien typiquement à la française, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, typiquement 18e. Alors dans notre showroom situé à Paris, nous trouvons des meubles, je dirais, triés sur le volet parce que c'est un tout petit local. Il faut qu'il y ait une ambiance sympathique. Donc nous sommes assez restreints dans le mobilier, mais nous essayons de diversifier tant par la Chine aussi de meubles que nous refaisons de A à Z. Le style que j'aime travailler, c'est un style revisiter l'ancien et le retransformer en un design plus moderne. Mais également, le style, je dirais début 19e, est assez sympathique et j'aime beaucoup le travailler. Et agencer, essayer de combiner l'ancien et le moderne pour en faire une ambiance très particulière. Donc dans notre atelier, nous nous occupons de la restauration du mobilier, de la tapisserie, donc des assises, des canapés, que nous effectuons du reste aussi en dehors chez la clientèle. Nous nous déplaçons à domicile pour faire également les travaux lorsqu'il y a de grosses pièces importantes que nous ne pouvons pas transporter. Nous exécutons toutes sortes de patines personnalisées, que ce soit des mobiliers, des miroirs, des tremeaux, des chaises, des canapés anciens que nous transformons également. C'est surtout une question d'adaptation à chaque client, aux souhaits de chaque client. Et c'est souvent très très compliqué et difficile parce qu'il faut devancer le client, devancer ses pensées. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de psychologie pour essayer de saisir tous les petits non-dits de ce que souhaite un client.